Yo tout le monde les gars, c'est Maro, donc sur la première vidéo. Donc on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. Donc comment avoir un. Bah moi en fait j'avais un fond d'écran genre je pouvais pas accéder. Donc je vais vous montrer maintenant. Regardez. Je vais dans le thème. Obtenir un thème. En fait j'ai personnalisé, donc regardez. J'avais le truc Modern Warfare 4, je crois. Remasterisé, ouais. Et le Call of Duty Black Ops 3 DLC, donc la map Zetsubou no Shima, que j'ai pas accès, il y a bien cadenas, regardez. Il y a mis un cadenas. Et genre, regardez, genre, si je clique dessus, il va aller au PlayStation Store. Et là, vu que j'avais un pote à moi, il l'avait. Là aussi, il me dit achète-le sur PlayStation Store. Donc là, il n'y a pas de souci. En fait, je l'avais déjà installé. Vous allez dans installer. Lui, Black Ops 3 est sorti. Il reste que en membre du PS Plus. Ceux qui n'étaient pas au courant. Donc là, vous descendez. Moi, il était, je sais plus où. Il était là, voilà. Donc là, je suis au loge, je l'ai installé. Donc je fais OK. Je fais régler le thème. Mais il y avait bien cadenas tout à l'heure. Appliqué. Merci. Patientez. Là voilà. Je l'ai. Allez. Là je l'ai. Donc là on va re dans paramètres. On va re dans thème. Hop. Là on va aller. On l'a bien. Le cadenas était déverrouillé. Là on va faire pareil pour Zetsubou no Shima. C'est tout simple. Si vous avez déjà installé, pardon. Hein. Si vous ne l'avez pas installé, vous pouvez pas faire. Il est non pas là, il est là, voilà, pré-utilisation. Donc il y avait bien cadenas, je viens de le montrer il y a 10 secondes. Donc je fais appliquer. Et là voilà, je l'ai eu gratuit. Alors que de base je devais le payer. Et voilà, je l'ai eu gratuit. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ciao tout le monde.